ville de Beauvais et l'agglo, c'est vrai que la concrétisation de ce projet avec Scherzo, c'est un point clé pour le développement et pour l'avenir, puisque l'ambition pour nous, c'était d'apporter une nouvelle attractivité, une nouvelle image à la ville et en particulier à la cathédrale. Travailler avec une équipe aussi renommée que Scherzo, c'est pour nous une signature, un point de vue d'excellence. Et l'ambition, c'est que la ville de Beauvais et le spectacle soient reconnus aujourd'hui au-delà du territoire, et en particulier sur la région parisienne, qui est pour nous une cible de choix. De la cathédrale de Beauvais, oui, comme elle est quand même extrêmement connue pour ses tribulations, si je puis dire. Oui, je connaissais bien sûr la cathédrale de Beauvais, comme tout le monde, j'ai envie de dire, pas dans le détail de la beauté de ce portail sud sur lequel nous avons travaillé. Bien évidemment, je connaissais pas non plus le quartier épiscopal que j'ai découvert à cette occasion, et c'est vrai que Beauvais est une ville qui mérite vraiment d'être découverte, d'être connue, parce qu'elle a une espèce de cohérence, et la reconstruction ne l'a pas, ne l'a pas détruite. Elle a accompagné ce quartier en l'enserrant, en l'enchassant, en gardant une logique qu'elle avait préalablement. C'est une ville très intéressante. Quel défi avez-vous rencontré sur cette mise en scène ? Eh bien, évidemment, la hauteur de la cathédrale, cette immensité, le fait aussi qu'elle n'ait plus de sculpture, qu'elle soit comme ça assez à la fois extrêmement complexe et dépouillée, et puis bien évidemment, l'absence de profondeur du parvis, en fait, le fait qu'elle est à la fois immense, très très haute, et on ne peut pas la regarder de loin, on est dans un rapport d'intimité avec un géant, en fait. Voilà. Ça vous a limité ? Pardon ? Ça vous a limité dans... Bah, finalement non, parce que ça fait partie d'une, comment dirais-je, c'est une donnée objective. On est dans un grand rapport d'intimité avec cette immense hauteur, donc finalement on se remet dans l'idée des bâtisseurs, c'est-à-dire que...